tout de suite une minute au musée dans Ludo. Perdu. C'est une bague d'archer turc qui date du 16e siècle. Comment ça? Les filles tiraient à l'arc en Turquie? Mais non, tous les archers avaient besoin d'une bague pour tirer à l'arc. Ah oui! On tendait la corde avec le pouce car c'est le doigt le plus costaud. Comme ça, la bague protégeait le pouce du frottement de la corde. Quand même, je trouve qu'une bague avec des rubis et des émeraudes, c'est plus joli sur le doigt d'une fille. Il y a même des dessins en or dessus. Oui, et tout ça est incrusté sur du jade, une pierre dure et lisse très précieuse. Bah, c'est ce que je dis. Tu crois qu'un archer avait assez d'argent pour s'offrir une bague comme ça? C'était peut-être un champion ou un général très célèbre. Alors c'est sûr, cette bague, c'était pas pour une fille. Ou alors pour une fille avec de très gros doigts. Allez, sois pas triste, peut-être que cet archer, il achetait aussi des bagues à sa femme. Eh, mais t'as raison. S'il était riche, il devait même lui offrir des bijoux encore plus beaux. Bah toi, vaut mieux t'emmener au musée qu'à la mairie. Bague d'archer, musée du Louvre.